Is that what? We've only just met, and we're going to go look at a flat. Problem? We don't know a thing about each other. I don't know where we're meeting. I don't even know your name. I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife. And I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic, quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on with, don't you think? Max est là pour faire plus sale que Lorenzo. Donc vous l'aurez compris avec le titre, la miniature et l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de Code Forlan, aussi connu sous le nom de le mec qui est en ce moment en train de gérer la plus grosse supercherie du YouTube francophone. Parce que sans déconner, c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Mais vous pouvez aussi vous demander, qui est Code Forlan? Si jamais vous faites partie de la liste des gens heureux qui ne le connaissent pas. Eh bien Code Forlan, c'est ce mec là. Voilà la photo. Quoi, on a pas de photo? On n'a pas de photo de la gueule du mec. Alors, il me semblait qu'il avait fait une facecam quand il avait eu 150 likes sur une vidéo. Mais vu qu'il a supprimé la vidéo, on n'a plus la facecam. Et puis après, il me semblait qu'il devrait faire une facecam quand il atteindrait les 500 000 abonnés. C'est ce que dit son sondage Twitter. Et ce qui me choque à présent, c'est que sur sa page YouTube, il y a marqué qu'à 500 000 abonnés, il nous montrera son corps. Alors, quoi que ça veut dire, parce que je sais pas ce que ça veut dire, hein, genre, ok, il va avoir deux jambes et deux bras. Il a peut-être pas de cerveau, mais ça, on le verra pas s'il nous montre son corps. Et on peut voir aussi sur sa page YouTube qu'il nous montrera sa gueule quand il aura 1 million d'abonnés. Un peu comme une certaine Lama fait chier. D'ailleurs, il suce la chaîne de Lama fait chier à un point assez incroyable. Je vous mets quelques screens à l'écran, mais faut savoir qu'il a quand même créé un fond de compte sur son Discord pour faire comme si elle était là, quoi. On est à ce niveau-là d'avalage de bits. Mais vu qu'il a ni morale ni photo de lui sur internet, pour se renseigner, on va devoir utiliser la page Wikia. C'est un truc que j'aime pas énormément parce que c'est écrit par les fans, souvent c'est pas du tout objectif. Donc là, on peut voir sur la page Wikia que c'est un youtubeur qui réalise principalement des top 10, qu'il avait dit qu'il ferait une facecam quand il aurait 400 000 pouces bleus sur une certaine vidéo. Donc là on est encore sur une nouvelle raison pour une facecam, ça n'a aucun putain de sens, et qu'une grande majorité de ces vidéos est plagiée d'une chaîne américaine. Putain, c'est le site qui est écrit par des fans. Donc si je dois résumer, pour l'instant Code Forlan c'est un mec qui veut montrer sa gueule mais uniquement à condition qu'on s'abonne à sa chaîne ou qu'on mette des pouces bleus, et c'est aussi un mec qui vole des vidéos. Donc pour l'instant on est là-dessus. Très bien. Et rassurez-vous, je ne vous parlerai pas de Social Blade parce que ces statistiques sont en train d'exploser, c'est incroyable. Mais personnellement, je sais pourquoi ces statistiques ont complètement explosé. Parce que dans cette vidéo, j'aurais pu vous parler de ces plagiats, ces nombreux plagiats, mais il y a tellement de plagiats sur sa chaîne que c'est inconcevable d'en faire une vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il a fait autant d'abonnés, comment il a fait autant de vues, comment il a fait autant de likes en aussi peu de temps. Et croyez-moi, c'est pas joli. Au début de juin, j'ai découvert qu'il faisait des lives régulièrement. Des lives pour faire gagner des spinners à ses viewers en direct. Et puis j'ai vu ce tweet d'un jeune garçon qui a gagné mais qui n'a pas reçu ton message. Ensuite j'ai vu ce commentaire de quelqu'un plus que suspicieux par rapport à tes concours. Alors j'ai commencé à me demander, est-ce que ces concours sont réels? Non bon, ok les gars, on sait tous très bien que les concours sont fake, on le sait tous. Ce tweet, ça n'est pas une preuve, les preuves on les verra dans cette vidéo, mais les concours sont fake les gars, je vous le dis dès maintenant parce que je veux pas garder plus de suspense. C'est fake. Mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut prouver que c'est fake? Eh bien accrochez-vous parce qu'à présent je vais lancer ma nouvelle émission que j'ai intitulée 666 minutes. Générique. Donc je me suis mis à enquêter sur ces lives. Bon, à vrai dire, c'est pas ce tweet-là qui m'a lancé sur l'enquête, mais j'étais quand même persuadé que c'était fake dès le début. Je saurais pas vous l'expliquer, c'était une sensation. J'étais sûr que c'était fake, il manquait juste les preuves. Et putain, j'ai été servi niveau preuves. Vous allez voir que ça coule à flot. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est suivre un live pour voir comment ça se passait. Donc j'ai vu le message d'annonce sur Twitter, message d'annonce qui est juste exactement le putain de même à chaque fois. Le mec se fait pas chier, hein, c'est la même miniature, ok, mais c'est le même message, c'est le même intitulé, c'est exactement la même chose tous les jours. Tous les jours, voire 2 fois par jour, c'est exactement le même live. Et à chaque fois, devant ces lives-là, il y a plus de 1000 personnes qui se font arnaquer. Il y a au moins 1000 personnes qui se font duper. C'est incroyable. Donc pour faire simple, le live se déroule de la façon suivante. Le live est lancé, Forlan va chauffer un peu les gens du live, et puis ensuite il va lancer un site qui s'appelle Orbit.tm. Alors Orbit.tm, on va appeler ça un site de tirage au sort, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Donc ce site de tirage au sort permet de tirer au sort des gens sur le live. Mais alors c'est là que vient le premier problème. Le nombre qui est affiché de participants au concours ne change absolument jamais durant toute la durée du live. Là, j'ai pris plusieurs screenshots de live au fur et à mesure de leur durée, et on peut voir que le nombre de personnes reste exactement le même. C'est-à-dire que là, je vous montre un screen qui a été pris à 22h38, un 22h42, 22h46, 22h47 et là 23h07. C'est le nombre de personnes que le site a chargé quand il a été lancé. Autrement dit, si vous avez rejoint le live la seconde après que le site est chargé, vous ne serez pas dans cette liste-là. Donc c'est parti les amis, si vous venez d'arriver sur le live, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube Code Forlan, vu que c'est très important pour valider votre participation. Il suffit aussi de liker le live et de le commenter. Et je précise aussi les amis, qu'il y a la chaîne YouTube de CodGoldex en description. Vous pouvez aussi s'abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez valider votre participation. Donc elle est en description, voilà, c'est le lien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur YouTube, toutes les statistiques ne sont pas disponibles. C'est-à-dire que Code Forlan, dans les règles qui sont complètement connes, putain, pour accéder au concours, stipule qu'il faut être abonné à la chaîne de Code Forlan et la chaîne de Goldex, liker le live, mettre un maximum de commentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, donc, certaines de ces choses-là ne sont pas accessibles par des sites tiers. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir si tu as liké le live ou non. On ne peut pas savoir qui a liké tel live. On peut savoir qui a posté tel commentaire parce que c'est une données qui est publique, mais on peut pas savoir si tu es abonné à la chaîne de Code Forlan, de Goldex ou si tu as liké le live. Donc de base, les règles qui régissent le concours sont fausses. Il n'y a pas besoin de liker le live, il n'y a pas besoin de s'abonner, il y a juste besoin d'être présent et peut-être, c'est pas sûr, de laisser un commentaire. Je suis pas sûr que cette donnée soit prise en compte par le site de tirage au sort. D'ailleurs, dans ces derniers concours, on notera que les règles sont encore plus connes que possible. Il y a une règle qui stipule que si tu invites 5 personnes, tu as 5 fois plus de chances de gagner. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, malheureusement, vous ne pourrez jamais gagner les amis. C'est une certitude. Le logiciel de tirage au sort, il prend en compte uniquement les gens abonnés à la chaîne YouTube. Non. Alors c'est vraiment très important de valider votre participation en vous abonnant à la chaîne. Il faut aussi du coup liker le live et le commenter. Non. Voilà, dès que vous avez fait ces 3 conditions, vous serez sur le site de tirage au sort. Mais attention, mais il y a un gros mais. Si vous voulez augmenter vos chances, 5 fois plus de chances de gagner, il faut du coup inviter 5 amis sur le live. Le Nightbot, il vérifiera, il vous donnera en mode probabilité, vous connaissez un petit peu les probabilités, je pense, sur le logiciel de tirage au sort, il vous donnera 5 fois plus de chances de gagner, donc n'hésitez pas du coup. Ce qui ne veut rien dire. Comment est-ce que le site de tirage au sort peut savoir que tu as invité 5 personnes? Il n'y a aucun moyen pour que ça se sache, donc ça c'est encore une règle qui sert à rien. Et en plus, il a basé un live dernièrement qui disait si tu invites 100 personnes, tu as 100 fois plus de chances de gagner. C'est complètement con et faux. Enfin bon, donc ça c'est une preuve que le concours est faussé, c'est-à-dire que les règles qui sont affichées ne sont pas celles qui sont appliquées. Par contre, on n'est pas sur une preuve comme quoi il n'y a pas de lot, il y a peut-être des lots qui sont quand même envoyés aux gens. Donc on va continuer à fouiller un petit peu. Toujours pour parler du site de tirage au sort, on peut voir que très régulièrement, l'URL qui est derrière Orbit.tm, c'est l'URL du live. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Des fois, les URL diffèrent. C'est-à-dire que le site qui fait le tirage au sort ne fait pas le tirage au sort sur le live. Il fait le tirage au sort sur une autre vidéo, sur un autre live, on sait pas quoi. Parce que si vous voulez sur le site de tirage au sort, il faut donner le lien du live, et à partir de ce lien-là, le site va réunir les informations qu'il peut, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont sur le live. Je préviens tout de suite, il y a les kikous qui vont se ramer, qui vont me dire mais Max, c'est que des screens, hein, t'approuves rien, hein, t'es quand même menteur, hein. Donc ce que je propose à Code Forlan, c'est que si jamais il veut démonter cette théorie, c'est qu'il remette ses lives en non répertoriés et on verra que l'URL YouTube du live et l'URL affichée sur le site Orbit.tm ne sont pas les mêmes. Pas sur tous les lives, mais sur certains lives. Donc si certains lives étaient complètement faux, je vois pas pourquoi les autres seraient complètement vrais. D'ailleurs, il y a aussi ce tweet de Pronofoot qui montre bien la même preuve sur Twitter. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout affilié à ma personne, donc soit on a exactement les mêmes fausses preuves, soit on a la même preuve tous les deux, en sachant que le tweet a été posté avant que je commence à faire mes recherches. Donc est-ce que cela suffit à prouver que le concours est faux? Non, absolument pas. Par contre là on va commencer à attaquer quelque chose d'un peu plus lourd, c'est-à-dire que Code Forlan dit dans sa vidéo être partenaire avec Dresslily.com et qu'il a un code promo pour qu'on achète sur le site avec 50% de réduction. Et on est sous contrat les amis, et donc si vous voulez les amis n'hésitez pas à acheter, il y a moins 50% grâce à mon code de promotion, et du coup bah, ça nous rapporte des handspinners à faire gagner comme d'habitude parce qu'on aime les handspinners, c'est kiffant. Donc si vous voulez, n'hésitez pas les potes, n'hésitez pas. Il y a le code de promotion qui est en description. Vous avez été plus de 2000 à acheter les handspinners. Et oui, donc il y a 2000 abonnés depuis ces 3 semaines là qui ont gagné des handspinners. Du coup, on en a pu relancer 1000. J'ai été voir dans la description de la vidéo et il n'y a pas de code promo pour acheter à 50% de réduction. Alors ça peut être tout simplement un oubli de Code Forlan qui a oublié de mettre le code promo de son partenaire, ou alors c'est juste qu'il n'est pas affilié avec Dresslily.com. C'est-à-dire que dans ses lives, il prétend être affilié, associé avec le site qui lui fournit des handspinners et qui les livre à sa place, sauf que peut-être qu'il ne l'est pas. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai contacté Dresslily.com. Je leur ai demandé s'ils connaissaient un certain Code Forlan qui fait gagner des handspinners en live, et non, ils ne connaissent pas. Donc je vous affiche actuellement la discussion que j'ai eue avec leur service client. Ils ne connaissent absolument pas Code Forlan. Donc non, Code Forlan n'est pas affilié avec Dresslily.com. Est-ce que ça veut dire que le concours est un fake? Ah bah écoute, si t'as pas de lot à faire gagner, effectivement il y a des gros problèmes au niveau de ce concours. Ce concours c'est réellement un gros foutage de gueule, c'est un abus de confiance en puissance. Les gens vont te faire confiance pour que tu leur fasses gagner des lots. Et au final, il n'y a aucun lot à faire gagner. D'ailleurs, juste pour revenir vite fait, mais il dit aussi qu'il est affiché comme étant partenaire sur le site, il n'y est pas. Et vous pensez que j'en ai fini avec mes preuves? Code Forlan a fait semblant de faire gagner un iPhone récemment, un iPhone 7 Plus. Bah, rien que ça. Et pour prouver d'ailleurs qu'il pouvait acheter l'iPhone, il nous a montré ses stats YouTube. Le mec se fait plus de 7000 $ par mois. Voilà, c'est ici les amis, donc c'est bon, vous l'avez vu, etc. Vous avez bien vu qu'il y avait le salaire. Il se fait plus de 7000 $ par mois et il se permet de recevoir des donations pendant qu'il fait semblant de faire gagner des lots à ses abonnés. Il reçoit des centaines d'euros de donations pendant qu'il fait des faux concours. Ça le fait pas chier, hein, c'est complètement éthique. Donc pendant ce fameux live, il annonçait faire gagner un iPhone 7 Plus. Et pour se justifier, pour montrer que c'était un vrai concours, il a affiché ça à l'écran. Est-ce que... ouais. Donc voilà les amis, vous pouvez voir que c'est un réel concours, il y a le drapeau... J'ai envoyé tous les suivis de commandes, j'ai envoyé tous les potes qui a été envoyé, les amis, donc n'hésitez pas à participer. Le concours est réel, il a été affiché sur le site French Giveaway, comme d'habitude, c'est un concours réel. Il a affiché une capture d'écran apparemment d'un site qui s'appelle French Giveaway et qui permet de justifier, de légaliser des tirages au sort. Sauf que si vous regardez sur internet, French Giveaways, c'est un site qui n'existe pas. French Giveaway, c'est juste un compte Twitter qui a fait 8 tweets en 2016. C'est absolument pas un site qui fait des concours, parce que le screen que vous voyez là, c'est un screen de ce concours là, qui est un concours pour le site Elle. Et si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que le numéro de jeu, qui est censé être unique à chaque tirage au sort, c'est le même, c'est la même mise en page, ce sont les mêmes couleurs, et c'est exactement le putain de même lot. Il a changé 2-3 valeurs sur son image, et rien de plus. Est-ce que, ouais, donc voilà les amis, vous pouvez voir que c'est un réel concours, il y a le drapeau... Et d'ailleurs, il s'est justifié dans le live en disant que le drapeau français, c'est ce qui prouvait que c'était approuvé. Putain, mais depuis quand un JPEG de drapeau français, ça te prouve que c'est un concours valide? D'ailleurs, tant qu'on y est, le site sur lequel il a pris l'image, c'est même pas un site qui référence des concours, c'est même pas un site qui est là pour approuver des concours, c'est un site qui est là pour donner des réponses à des concours, pour aider les gens à participer. Rien de plus. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas sur ce truc-là, si vous pensez que j'ai peut-être modifié un screen, je vous mets le lien du site. Je vous mets le lien du site avec le concours dans la description pour que vous voyez que je n'ai pas modifié de screen. Code Forlan vous a menti. Code Forlan se fout de votre gueule. Il y a chaque jour plus de 1000 personnes qui se font avoir par ce mec-là. Et il ose sur Twitter demander à ce qu'on signale un compte parce qu'il arnaque ses abonnés? T'es sérieux mec? Je suis personnellement dégoûté par ce genre de comportement. C'est quelqu'un qui a utilisé la confiance que les abonnés ont en lui pour son profit, pour son bénéfice. Il va faire semblant de faire gagner des lots à ses abonnés. Il va faire semblant d'avoir des preuves. Il n'a aucune preuve. S'il peut contrecarrer toutes les preuves que j'ai balancées, qu'il les contrecarre. Il ne peut pas. Ce mec vous a menti et s'est servi de vous. J'espère qu'il arrêtera les concours au plus vite, j'espère qu'il prendra des excuses publiques, je sais pas quoi d'autre espérer, j'ai pas envie d'espérer que sa chaîne YouTube soit supprimée parce que c'est hyper sale, mais si sa chaîne YouTube est supprimée, clairement je comprendrai. Ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue ou trop dure à suivre, j'espère qu'elle vous a quand même plu, n'hésitez pas à la partager parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui est vachement important pour moi. Donc si cette vidéo pouvait être partagée un maximum, pour mettre un maximum de personnes au courant de cette putain de supercherie, ça serait super. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout ne faites pas confiance à ce genre de concours sur internet.